海賊王になるのは俺だ！Ace n'est pas assez rapide et Akainu transperce Luffy. C'est la fin. Ace n'en croit pas ses yeux pendant que ceux de Luffy s'éteignent. Le monde est choqué. Akainu vient de tuer Monkey D. Luffy. Un cri strident résonne à travers Marineford. Des éclairs se mettent à gronder. Une aura meurtrière s'élève à travers le champ de bataille. Garp avance doucement vers Akainu. Chaque pas crée des fissures au sol. Chaque seconde s'écoule comme des minutes. Sengoku approche pour tenter de le stopper, mais le regard de Garp est clair. S'il s'approche, il mourra aussi. Plus rien ne peut l'arrêter. L'héros de la marine ne voit plus rien, si ce n'est l'esquisse d'Akainu au loin. Plus rien ne compte, seule la vengeance immédiate est nécessaire. Sakazuki sent cette aura. Il se retourne et se prépare à combattre. Il essaie de le calmer par la parole et de lui dire que ce serait une grossière erreur que de tenter ce qu'il s'apprête à faire. Malheureusement pour lui, Garp s'est déjà élancé et de son poing explose Akainu. La puissance est telle que le coup provoque des ondes de choc. Akainu est projeté au sol. Empoisonné, il essaie de se relever mais trop tard. Garp est déjà au-dessus de lui, il l'attrape par la gorge avant de le lancer à plusieurs reprises. Porté par la rage, Garp est trop rapide, trop puissant. Akainu, malgré un combat qui présage une défaite cuisante, continue de le provoquer, disant qu'il ne vaut pas mieux que son petit-fils pirate, avant d'être encore une fois projeté contre un mur. Cette fois, Garp le suit et lui assène un coup encore plus puissant que le précédent, un coup qui rappelle la puissance de celui qui avait déformé le crâne de Don Shinjao. Akainu tombe sous ce coup et ne se relèvera plus. C'est la fin pour l'amiral de la marine. Personne n'a pu empêcher ce dénouement tant l'aura de Garp était terrifiante. Et tout le monde est choqué. Garp s'effondre aux côtés de Luffy. On pleure. Il ne trouve pas les mots, ne sait pas quoi dire. Ace est avec lui et lui non plus ne dira rien. Un bruit sourd s'empare de Marineford. Barbe Blanche vient de taper son naginata au sol. S'ensuit un discours pour vanter le courage et la ferveur de Luffy. Par respect pour Barbe Blanche et Luffy, Mihawk attendra la fin de son discours mais l'attaquera directement ensuite, disant qu'il peut enfin se mesurer à l'homme le plus fort du monde. Quelques coups seront échangés, mais Barbe Blanche, faible et fatiguée, dira qu'il n'a pas le temps pour ça. Surtout à présent que son objectif de sauver Ace a été effectué. Il le repoussera à l'aide de son fruit et dira à son équipage qu'il est l'heure de partir. À peine l'annonce du départ de Newgate sonne que Barbe Noire arrive, lui et son nouvel équipage. Son rire retentit tandis que ses ténèbres s'emparent du sol de Marineford. Barbe Blanche comprend très rapidement ce qu'il se passe et doit lui faire face. Avec la fatigue accumulée et les blessures, il sait qu'il ne pourra plus retourner auprès de son équipage et divise Marineford en deux. Il continuera à dire à son équipage de partir avant de se battre avec Barbe Noire. L'entièreté de l'équipage de Barbe Noire participe au combat et Barbe Blanche finira par faire son légendaire discours. Il part debout, la fierté d'avoir passé la main à la nouvelle génération et d'avoir réussi la mission pour laquelle il était venu. Son fils Ace est sain et sauf. Barbe Noire lui vole son fruit et crée un grabuge sans précédent au sein de Marineford. Sengoku tente de l'arrêter, sans succès, pendant que Kizaru et Aokiji essaient d'arrêter l'équipage de Barbe Blanche, eux aussi, sans succès. Pendant que la guerre fait rage, le ciel finit par se fendre en deux. Shanks pose le pied sur le sol de Marineford. Il s'avance doucement jusqu'à Garp et Ace, près de Luffy, et ramasse le chapeau de paille. Seul son aura légendaire sévit, et personne ne dit rien, tout le monde observe. Les larmes coulent, mais son visage est fermé. Il pose le chapeau sur sa tête, et à ce moment précis, un haki des rois surpuissant fait son apparition et fait tomber la totalité des faibles sur le champ de bataille. Seuls les plus forts sont encore debout. Bien qu'ils aient senti passer ce vent de puissance, d'un œil perçant en direction de Sengoku, il sort son épée et dit que la marine doit payer. Il dit ça avec son équipage derrière lui, mais pas seulement. Une aura enflammée vient se joindre à cette annonce. Ace apparaît dans un élan de feu et malgré la douleur, il est prêt à se battre. Marco et l'équipage de Barbe Blanche décident quant à eux d'attendre Ace, mais de rester à l'écart, prêts à partir comme le voulait leur capitaine. Un voile de combattants se dresse. Shanks, son équipage, Ace, Boa Hancock, Jinbei et Crocodile s'élancent. Sengoku essaye de raisonner Shanks pendant que Barbe Noire en profite pour s'éclipser. Avec lui, Mihawk s'éclipse aussi. Rien n'y fait, Shanks est aveugle. Il n'entend plus rien et ne voit que les ennemis qu'il doit faire tomber pour réparer ça. Un combat éclate entre la marine et les pirates du Roux. Shanks fonce sur Sengoku pendant que son équipage se débat avec Kizaru et Aokiji. Ace, quant à lui, tape tout simplement sur tout ce qui bouge et déverse sa colère et sa tristesse sous forme de flammes endiablées. Marineford brûle. La balance est loin d'être équilibrée et la marine finit par tomber sous le coup des assaillants.
tous disparaissent, sauf Aokiji et Doflamingo qui arrivent à s'échapper in extremis. Garp, quant à lui, ne se fait pas attaquer par Shanks, ayant très clairement trahi la marine. Kobe reste aux côtés de Garp, mais Hermep ne s'en est pas sorti. La vision de cet événement est un raz-de-marée mondial. Le monde croit que la marine est finie, Im-sama et le Gorosei s'activent et la mise en service de Ryokugu et de Fujitora est accélérée. Kong reprend du service en tant qu'amiral en chef, le temps de remettre les choses en place. De puissants fruits sont délivrés par la marine au reste des troupes prometteuses, créant ainsi des membres très puissants. Quelques semaines suffiront pour que la marine, bien qu'affectée, reprenne du poil de la bête. Un soulèvement de pirates sans précédent débute, attiré par les maux de Barbe Blanche et par le fantasme d'une justice inexistante. Ne l'ayant pas encore appris, les membres de l'équipage de Luffy sont dispatchés sur des îles et cherchent le moyen de partir pour retourner au plus vite sur Sabaody, l'archipel où Rayleigh et certains membres de la terrible génération sont horrifiés de la mort de Luffy. Rayleigh peine à le digérer mais y arrivera un peu, grâce à sa sagesse ultime. Les empereurs restants jubilent et s'expandent un peu plus, profitant de la marine tremblante. L'empire de Kaido et celui de Big Mom prennent un tournant rapide et dangereux dans l'univers de One Piece. Makino et Dadan ne s'en remettent pas. Le bar est fermé et les bandits restent dedans avec Makino pour boire toute la journée et passer le temps. Elle n'y croit pas et se repasse les souvenirs de Luffy quand il était jeune. Tous les royaumes proches de Luffy s'arrêtent de tourner, plongés dans la tristesse infinie de l'avoir perdu alors qu'il était leur sauveur. Alabasta et Drum sont en deuil. Difficilement, l'équipage de Luffy réussit finalement, les uns après les autres, à arriver à Sabaody, mais Luffy ne s'y trouve pas. Il n'y voit que Shaki. Très silencieuse, elle ne dit rien mais annonce une nouvelle qui est en train de retourner le monde. Elle précise que c'est à Rayleigh de leur annoncer, mais ne sait pas quand il va revenir. Dans un élan de sécurité, elle leur dit de ne pas trop sortir, le monde étant un cran. Elle va même jusqu'à mentir et préciser qu'il serait mieux d'attendre Luffy et Rayleigh. Elle préfère les rassurer pour ne pas qu'ils apprennent la vérité de manière détournée. Rayleigh finira par arriver au bout de quelques jours et réunit tout le monde sur une île proche de Sabaody pour être sûr qu'il soit seul. C'est une île surplombée d'une forêt qui possède une petite maison abandonnée ressemblant à celle présente sur Sabaody. On apprend que c'est là qu'il va lorsqu'il a besoin d'être seul. Tous sont assis et attendent la nouvelle, se demandant pourquoi Luffy n'est toujours pas là, et Rayleigh va enfin commencer à tout déballer. Il parle, la larme à l'œil. L'histoire de Marineford, comment Luffy a fini par tomber après avoir sauvé son frère, la vengeance de Garp, et surtout la tragédie qui s'en est suivie avec l'arrivée de Shanks. La marine est à terre, mais ici ce n'est pas le plus important. Tous les membres de l'équipage pleurent et se demandent comment ça a pu arriver, comment leur capitaine a pu échouer. Deux exceptions, Zoro et Sanji. Zoro casse un verre et explose de rage, disant que c'est impossible et qu'il a sûrement une erreur. Il brise la table avec laquelle il a cassé ce verre, il sort ses sabres et part dans la forêt. Sanji le suit, ne dit rien. Il allume une cigarette sur le chemin et demande à Zoro « Luffy a réellement échoué, pas vrai ?» À peine la question est posée que les deux se mettent à tout détruire dans la forêt. Les arbres tombent sous les coups de coups de pied de Sanji, en harmonie avec les coupures émises par les lames de Zoro. Ils ne se retiennent pas et la forêt finit en feu. Les deux finissent par tomber dos à dos en larmes alors que le feu les entoure. Le reste de l'équipage quant à lui est choqué, terrifié. Le monde vient de s'arrêter de tourner pour la totalité de l'équipage des Mugiwara. Plusieurs jours passent, des semaines où les âmes de chacun des membres de l'équipage sont vides, impossibles de s'en remettre. Un cocktail d'émotions les traverse, passant de la colère à la tristesse, au désarroi et au deuil. Plus rien ne sera jamais pareil. Zoro se réveille comme à son habitude sur un des arbres restants. Il n'a pas adressé la parole à qui que ce soit et est resté seul pendant des semaines. Il ne sait pas quoi faire ni quoi dire, mais aujourd'hui, il a décidé qu'il était l'heure d'arrêter de pleurer et qu'il fallait avancer. Il prend le temps de réfléchir avant de réunir tout le monde dans cette petite maison au bois qui porte la blessure profonde de tous les Mugiwara. Il confronte tout le monde à la réalité. Luffy est mort. Sanji monte en pression et lui demande d'arrêter de faire du cinéma, qu'il sait que Zoro souffre. Zoro ne nie pas et va même jusqu'à acquiescer, mais demande par la suite qu'est-ce que Luffy voulait et surtout qu'est-ce qu'il voudrait à présent. Il enchaîne précisant qu'il vit encore à travers l'équipage ici présent et que même s'il n'est plus, il est toujours possible de réaliser son rêve, de réaliser tous les rêves de l'équipage entier. C'est ça que Luffy voudrait. Un élan d'espoir renaît dans l'esprit des Mugiwara, mais un peu trop léger pour échanger quoi que ce soit. C'est à ce moment précis que Rayleigh se lève et pose son verre. Il prend la parole et dit que Zoro a raison et que même si Luffy n'est plus de ce monde, sa volonté vit toujours en chacun d'entre eux. Luffy était l'homme qui devait réussir et l'équipage est la dernière représentation de lui. Ils se doivent de réussir et d'avancer, même sans lui. Un discours rempli d'expérience et de sagesse, entremêlant espoir et avenir, entremêlant amitié et rêve. À la fin de son discours, ressentant que l'équipage reprend espoir, il fait une démonstration de haki monstrueuse qui fait trembler la maison et l'île avant de trancher le verre en deux avec sa lame. Lame que personne n'a vu sortir.
Tout le monde est choqué, mais ils n'ont même pas le temps de réaliser ce qui vient de se passer que Rayleigh annonce qu'il va les entraîner. 2 ans pour tout changer. Chaque membre de l'équipage de Luffy est passé au stade supérieur et le deuil a été fait. Rayleigh a su trouver les atouts de chacun et les pousser à leur paroxysme. Ils sont tous prêts à réaliser leurs rêves, mais surtout à réaliser celui de Luffy, devenir le roi des pirates. Tous côte à côte, mais ce n'est pas tout. Durant ces 2 ans, plusieurs membres les ont rejoints. Après la déroute de l'équipage de Barbe Blanche face à ceux de Barbe Noire, Marco dissout l'équipage et Ace rejoint l'équipage de Luffy sur cette île. Il participe activement à l'entraînement et se rapproche beaucoup de l'équipage actuel. Jinbei est arrivé en premier, presque directement quand l'équipage a débuté leurs entraînements. Enfin, pour venger son bien-aimé qu'elle ne pourra jamais remplacer, Hancock a rejoint l'équipage de la même manière, elle est arrivée en dernière. 3 membres très puissants qui ont décidé de rejoindre cette aventure et qui ont obtenu les conseils et analyses de Rayleigh pour évoluer, eux aussi. La légende commence, la légende s'écrit. L'équipage sans capitaine s'élance dans le Shinsekai et est prêt à retourner le monde en honneur et en hommage à son capitaine, Luffy. Ils braveront les tempêtes, les adversaires et les problèmes pour avancer dans le nouveau monde, prêts à tout pour réussir. Ils évoluent vite dans celui-ci et passent l'île des hommes-poissons très, trop vite. Eddy est arrêté avant de faire des siennes et l'île est sauf. Ils enchaînent et sont plus déterminés que jamais. Les techniques élaborées avec l'aide de Rayleigh dépassent l'entendement. Même Usopp ou encore Chopper sont devenus des monstres. Rien que ce léger passage enflamme les journaux et inquiète le gouvernement mondial. Malgré la défaite de Luffy, ils continuent. Ils finissent même par se demander si cet équipage n'est pas une malédiction et vont jusqu'à mettre un prix très élevé sur chacune des têtes de cet équipage sans capitaine. Au contraire, tous ceux qui regrettaient Luffy retrouvent un second souffle de bonheur et de vie. Les royaumes en deuil revivent et Dadan regarde les journaux et observe Ace se tenir aux côtés de l'emblème de Luffy. Elle ne peut s'empêcher de lâcher des larmes de bonheur. Cet événement n'a pas uniquement créé un équipage dévastateur, il a aussi créé une alliance secrète. Cette alliance veille sur l'équipage. Garp, n'ayant plus d'endroit où aller, s'est rapproché de Rayleigh, qu'il a combattu plusieurs fois aux côtés de Roger par le passé. Ils sont proches et grâce à ces connexions, les révolutionnaires font aussi partie de cette alliance. Rayleigh, Garp et Dragon veillent sur l'équipage sans capitaine et s'assurent que tout se passe bien. Sabo, quant à lui, lorsqu'il a retrouvé sa mémoire, a directement rejoint l'équipage de Luffy et se tient aujourd'hui à leur côté, aux côtés de son frère Ace. Ils restent prêts à agir, mais n'en auront pas besoin. Tous surpassent leurs limites, encore et encore, afin de réaliser leur rêve et celui de leur capitaine déchu. Les îles s'enchaînent, les aventures se multiplient, mais une seule chose ne bouge pas, la puissance de cet équipage. Ennemi après ennemi, l'équipage sans capitaine arrive finalement sur le toit du monde et plante l'emblème de Luffy sur Loftel. Une tombe sera érigée en l'honneur du roi des pirates, Luffy. L'équipage se retrouvera avec Shanks et l'alliance de Rayleigh. Shanks, après un discours poignant, louant les mérites de cet équipage, posera le chapeau de paille sur cette tombe. Le rêve de Luffy a été réalisé et le passé mystérieux de One Piece a été éclairci. Tous se mettent à rire et fêtent cet événement. C'est avec le son retentissant de leur chope de bière qui s'entrechoque que cette histoire prend fin.